Bienvenue sur le Labo des Réseaux. Dans ce tuto, on va voir comment mettre un texte en arrière-plan sur une photo. Alors nous avons notre photo sur Canva, par exemple celle-ci. Et ce que nous voulons faire, c'est mettre un texte en arrière-plan de celle-ci. Par exemple, le texte ici, ça sera Pensée du jour. On va le mettre en blanc. Et on va le mettre comme ceci. Alors pour pouvoir le mettre en arrière-plan, il y a une solution, c'est que nous allons importer une deuxième fois la photo, on la superpose à notre première photo, on regarde avec la transparence si nous sommes bien, donc là ça me paraît pas mal, et ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va faire un clic droit dessus et on va la mettre en premier plan. Maintenant à partir d'ici, nous allons aller dans modifier l'image et nous allons sélectionner effacer l'arrière-plan. Ainsi, on n'a plus qu'à appliquer et on voit maintenant notre texte qui est bien derrière notre photo. Alors bien sûr, le modifier l'image et effacer l'arrière-plan, je crois qu'il n'est disponible que dans la version Pro de Canva. Je vais vous montrer une deuxième méthode. Pour pouvoir le faire sans la version Pro, vous allez sur le site remove.bg, vous allez déposer votre photo originale et vous voyez ici, notre arrière-plan a été effacer, on n'a plus qu'à télécharger et à recharger la photo sur notre original pour pouvoir bien la caler, cliquer sur le clic droit, la mettre au premier plan et avoir de nouveau cet effet. On peut même faire quelque chose d'un peu plus sympa ici en mettant une légère transparence pour pouvoir voir l'ensemble de notre design. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura été utile. Rendez-vous sur le Labo des Réseaux pour tous les tutos pour maîtriser Canva et l'ensemble de vos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.